No ponerme esquizo es normal, porque estoy loco es normal. No están a mi rollo y a veces eran piso, a veces eran casa. Ahora es un micro y dos comidas en la casa. Normal, en vez de le repesa. Oye, normal, le. Normal, lo. Normal, le. Odio al azul y también lo pico, lo. Bon, salut, c'est Kikaz. Aujourd'hui, bah, simplement, on se retrouve pour un résumé sur King comme Deliverance, donc épisode 8, mais je vais aller sur épisode simplement 9. Comment vous expliquer? Et bah, simplement, en fait, je vais laisser simplement sur ma chaîne YouTube, il y a l'épisode et je vais vous laisser peut-être une minute à voir où j'en étais à peu près. Et voilà. Par contre, juste à préciser que. Salut! Donc, je disais que. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, d'accord. Ouais, il faut que je vous laisse là, voilà. Juste ici, voilà. En fait, comme je disais, que en fait, il faut que vous voyez vous-même pour comprendre où je me suis arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, en fait, j'avais perdu simplement le village, Scalis. Et du coup, voilà, la ville de Scalis. Et en fait, il y a eu des méchants. Ils ont tué la mère, le père et tout le village. Et du coup, en fait, je suis allé ailleurs. Du coup, voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu mettre l'autre vidéo. Donc la 9, mais j'ai eu un petit souci et du coup je l'ai perdu, donc voilà. Et la sauvegarde, j'ai pas pu sauvegarder exactement où j'en étais, mais j'ai sauvegardé ailleurs, donc voilà. Donc vous allez voir simplement où je vais me trouver. Donc c'est parti, je vous laisse le résumé. Ouais. Bon visionnage. Allez, c'est parti, on va mettre à... Hop, on choisit juste, hop là. C'est parti. Carotte. Et là, qu'est-ce que nous avons là? Y'a rien. C'est parfait ça. Un sou, ouais. Ah, c'est pas ça. Y'a rien. Ouais. Rentrer dans la maison. Là, en fait, je cherchais. Y'a un chien quelque part. Je sais pas où. Des objets. Bonjour, donc c'est à manger. Le tracteur. Et heureusement, j'ai trouvé pas mal de trucs, donc voilà. Il n'y a rien à voir dans les... Ah. Non, c'était la porte. Ok. Du coup, nous trouvons là. Donc, j'étais là-bas. Ouais, j'étais là-bas. Ouais, d'accord, bah c'est pas mal. Ouais, putain, j'étais... C'est perdu quand même. Bon, là, il y avait des soldats. Ah oui, c'est vrai, il y avait des soldats juste de l'autre côté, en fait. Et du coup, je voulais les esquiver, si je me rappelle. Il y avait des soldats qui voulaient m'attaquer, du coup... Je crois qu'il y a quelque chose, là. J'étais pas trop sûr de moi. C'est pas mal, là, du radis. En tout cas, les gens, ça m'a fait énormément plaisir. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est fini, ok. Donc, hop. Ah oui, carrément. Oh là là. Ah oui, on a perdu pas mal d'épisodes, là. Vous voyez, hop. Je partais directement, bah... retourner voir dans Scalis la mère et le père, sauf qu'en fait tout le monde était mort, du coup voilà quoi. Donc c'est parti, bah écoutez, je vous retrouve juste après une petite lap simplement pour relancer le jeu, donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Daddy,
normal, lelelelele. Normal, lolololo. Normal, lelelelele. Odio lo azul y también lo picololo. Normal, lelelelele. Normal, lolololo. Normal, lelelelele. Odio lo azul y también lo picololo. Por el tiempo no calla, por vida. Bon, j'ai carrément zappé pour Coucou. J'ai carrément zappé le mon micro, donc voilà un petit best-of direct. Donc, bah simplement, on se retrouve dans l'inventaire, mais je me retrouve plutôt hop. Alors, ouais, c'est sûr, c'est loin. Hop, je me retrouve en fait, simplement j'ai fait Scalis. Là, c'était des cinématiques qui passaient par là. Donc, on se retrouve après juste ici. Puis, voilà, on est ici en fait. Donc, enfin, je suis ici plutôt. Mais bon, j'ai pas pu exactement envoyer l'autre sur ma chaîne, la vidéo simplement. Puis, voilà, je me retrouve... sur cette sauvegarde. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc, la quête. Trouver le seigneur Capon à l'aube dans la cour du château. Ouais. Ça, oh non. Ouais, il faut faire celle-là. Alors, fonction, j'ai eu l'honneur de rencontrer le seigneur. Ah oui, Capon. Le prince chelou là. Prince chelou. Eh, hey, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de raté? Qu'est-ce qu'il me parle lui? Pourquoi il me parle de ça? Je vous souhaite une bonne santé. Merci. C'est gentil. Je veux parier sur le vainqueur. Vous faites les paris sur le tournoi. Ça m'intéresse. De quel type de pari s'agit-il? J'ai la tête en... Oh la fin, vous avez vu la tête? Vous avez vu la tête? What the fuck? Bah écoute, on va parier. Bah écoute, Max, hein, simplement. Un bon petit pari. Ah oui. Vous allez faire un massacre. Ah bah ça c'est sûr. Littéralement. Oui. Donc c'est bon. Hop, on va sortir. Là. Hop là. Du coup, tous les objets que j'avais, bah franchement, j'ai tout vendu. On les récupère directement dans les coffres quand vous arrivez sur cette ville. Par contre, hop, il faut que j'y vais du coup à l'aube. C'est bien ça, hein. Tac, 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 retrouver le seigneur à l'aube dans la cour du château. C'est parti. Donc, bah écoute, ce que j'ai appris aussi, c'est en fait, on peut se TP carrément. Regardez, tac, en appuyant sur... Si ça veut bien. Hein. Voilà. Vous avez vu? Par contre, vous avez le temps qui passe un peu. Pas beaucoup, mais voilà, ça dépend de la distance. Donc voilà. Salut! Alors, la cour, c'est par là, si je ne cours pas. Oui, c'est là, là. Sérieux? Encore tournoi? Ah, ouh. Bah, la dernière fois, j'ai réussi quand même. Je sais pas trop me battre, mais je me débrouille. Donc tous les gens comme ça par terre, c'est pas vraiment des... Ouais, c'est des mendiants, mais par contre, ils viennent de Scalici. Scalici, ouais, c'est ça. Allez, gonde la ville, la petite ville, donc ouais, c'est pas mal. On va courir plus vite. Je connais pas trop tous les coins là, mais ouais, c'est beau, donc voilà. J'attendais pour simplement jouer encore avec vous. Ah, stamina. Voilà, la cour elle est là-bas. Ah, elle est par là, je crois. Alors,
plus on voit ça se trouve où exactement, donc c'est pas mal. Bah dis donc, faut que je rentre par là pour faudrait que je m'entraîne à l'arc. Donc la cour, c'est ici. Ah ouais. Mais il est là. Me voilà. Tu m'envoies ravi. Tu as un cheval? Donc, super. Quelqu'un comme moi pourrait se procurer un cheval. C'est vrai. À part un cheval de trait, peut-être. Eh bien, tu vas devoir trottiner derrière moi comme un brave toutou. Alors, enfoiré. Wow, pardon. Monseigneur, y a-t-il un cheval que je pourrais emprunter? Mais certainement. Ah. Donc le mien. Ah ouais. Ou alors, tu peux me suivre en courant, comme il convient à un paysan dans ton genre. Adieu. Ah ouais. Trop bien, quoi. Bon, on va chasser. Ah ouais, d'accord. Attends, je peux pas prendre celui-là en vrai. Ah ouais. Ouais, mais c'est un enfoiré celui-là. Merde. Dites-moi, c'est un enfoiré, hein, franchement. Tant mieux, il court pas trop vite, donc c'est bon. Attends, on va voir, est-ce que j'ai pris. Bah l'arc il est où? Oh merde, je l'ai mis où l'arc? Oh. Allez, faut que je lave mes habits. En plus de ça, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il fout? C'est parti. Yeah. Dépêche-toi, forgeron. Quoi? Ah oui, il parle à moi, l'enfoiré. Vas-y, cours, enfoiré. Chassé. J'aurais dû voir avant. Écoute, que je commence. Ah. À propos de cette querelle à la taverne. Oui, monsieur. Anouche avait raison. J'aurais dû me comporter différemment. Plus courtoisement. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de jeter un seigneur hors de la taverne de sa propre ville. Compris? Oui, c'est juste que... Quoi? Explique-toi. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te mordre. Quand vous avez tenu ces propos dans l'arène, monseigneur, ça m'a un peu énervé. Ah, j'aime bien taquiner les blancs-becs, voilà tout. Et toi aussi, tu m'as agacé. Tu as été insolent envers le capitaine Bernard, et il te remercie en t'engageant. À chaque fois que je commets un acte irresponsable, même si ça concerne mon honneur, Anouche me punit. Comme maintenant. Je ne voulais menacer personne. Bref, c'est de l'histoire ancienne. Super. Ne gâchons pas notre partie de chasse. Super. Et c'est où qu'on va chasser? Oh mais on est loin là. Super. Parlons d'autre chose. C'est ta première partie de chasse? De ce type? Oui. Je chasse depuis mon plus jeune âge. Si tu n'es pas un idiot fini, tu pourrais apprendre des choses utiles. Super. Et si tu ne fais pas tout foirer aujourd'hui, il se peut que je te reprenne avec moi. C'est toujours utile d'avoir un laquais sous la main. En fait, j'ai déjà chassé, mais ce n'était pas... Courir après des lapins avec une fourche ne compte pas. Observe et apprends. Je vais faire de mon mieux, monsieur. Bon. Super. C'est parti la chasse. C'est parti. Voilà, la taverne, j'ai failli le taper parce que en fait ils m'ont donné un petit grade pour surveiller. Je ne sais pas si, monseigneur, je ne sais pas si c'est un sujet à aborder pendant la chasse. On ne chasse pas encore. J'aimerais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était sur place. Les Koumans ont attaqué Scalis et tous ceux qui n'ont pas fui. C'est ce que tout le monde dit. Je veux des détails. Est-ce vraiment nécessaire, monsieur?
On contredit encore la noblesse, hein? Tu es du genre rebelle, on dirait. Non, monseigneur, pas du tout. C'est juste que... il m'est difficile d'en parler. Je vois. Je vais donc devoir te saouler d'abord. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Ah. Il y a un charmant endroit juste au nord. Nous y camperons et tu pourras tout me raconter. Comme vous voulez, monsieur. Pas mal, on va camper. Ne l'embine pas. Tâchons d'y être avant le coucher du soleil. Bon. Ouh, ah ouais, d'accord. Oh la vache, mais on est là, allé loin. Ouïe. Ah ouais, merde. Il m'a amené où, wesh? Ah, on voyait pas trop. Oh mais eh merde. Oh trop bien. Pas mal. Mais c'est joli l'endroit franchement. Super. D'accord, on va dormir là-dedans. Ah ouh. Apporte-moi du vin et du lard de la sacoche. Ah ouais, d'accord. Super, apporte. D'accord, bon, c'est parti. Allez chercher le vin. Mais ouais, mais bon. La sacoche. Apporter. Ah. Ok. Le vin. C'est bon? De parler tout seul, mon gros. Ça arrive, monseigneur. Ah, pas trop tôt. Tiens. Aïe. Un bon vin. Ouais, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais le donner juste de 1. Ouais, 1. Voilà. Elle l'a fumé. Ouais, bah, tu sais quoi, vas-y, c'est bon. C'est bon, il a pris. Et voilà, monseigneur. Ah. Ah, pas trop tôt. Comment... C'est quoi, on va le donner tout. Ah mais oui, oh la vache. Mais... Ça te plaît, la chasse? Oui, même si nous n'avons pas encore vraiment chassé. Ce n'est pas important. La chasse n'est qu'un prétexte pour quitter Ratay pendant un moment. Ah ouais, l'enfoiré. Entendre Anouche faire la morale toute la journée rendrait fou n'importe qui. Ouais, vas-y, on va poser. Comment on passe? Si je puis me permettre, que fait un seigneur comme vous dans la journée? Quand j'étais plus petit, je m'ennuyais horriblement. Super. J'avais toujours un courtisan ou un professeur dans les pieds. Maintenant, je passe mon temps à écouter le seigneur Anouche. Gouverner, c'est du sérieux. Du moins, la plupart du temps. À part quand il faut écouter les doléances des sujets. Mais ça peut aussi être intéressant, non? Monseigneur, ce pecno vide son pot de chambre dans ma cour. Monseigneur, cette vieille sorcière a jeté un sort à ma vache. Monseigneur, ma bonne femme couche avec la moitié du village. On dirait des moutons qui bêlent tout le temps. Même étudier est plus intéressant. Alors, où sont vos parents? Ouais, vas-y, on va poser pourquoi cette question. Pourquoi c'est Anouche qui s'occupe de vous, juste? Pour commencer, il ne s'occupe pas de moi. Je ne suis pas un bébé, forgeron. Anouche ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte. C'est prévu pour quand? Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Ce que je voulais dire, c'est que vous me semblez déjà adulte, monseigneur. Ma foi, c'est difficile à dire. Avant sa mort, mon père a désigné un conseil de nobles pour statuer sur la question. Sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau. En temps normal, ce ne serait pas nécessaire. C'est le roi qui déciderait de ma maturité. Sauf que... Le roi n'est plus là. Tout juste. Mmh. Ah ouais. Super. Alors, bah voilà, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on va chasser? Qu'est-ce qu'on va chasser, mon...
Qu'est-ce qu'on va chasser? Quoi? Des coumans? Mais... Je voudrais voir ta tête. Je t'ai eu. On verra bien. Mais j'aimerais au moins ramener un sanglier. Trop bien. Et pourquoi pas quelques lièvres? Et toi alors? Avant tu étais muet comme une tombe. Et voilà que ta langue se délie. Tu m'étonnes. Parle-moi donc de ce calice. Il paraît que Sigismond avait une centaine d'étendards là-bas. Très bien, je vas-y. Je ne sais pas, monseigneur. Je n'ai pas eu le temps de les compter. Mes deux parents se sont fait assassiner à Scalis. Voilà. Sous mes yeux. Les Coumans ont massacré mes amis et mes voisins, et c'est un miracle que je m'en sois sorti. Super. Je ne sais pas quoi ajouter. J'en suis navré. Mais dis-moi, j'ai entendu à la taverne que... Que Sigismond chevauchait un dragon? Que les Coumans ont des cornes et des sabots? Désolé, monseigneur, mais Scalis n'est pas un récit d'aventure à narrer autour d'une chope de bière. D'accord. Je comprends. Bref, peu importe. Il est trop tard pour prendre la route aujourd'hui. Mais demain, nous partons à l'aube. Compris? Oui, monsieur. Bon, super. Bah tiens, je peux manger, trop bien. C'est quoi Bah, je vais m'asseoir là, moi. C'est pas mal. C'est pas mal, tu m'étonnes. Est-ce que je peux bouffer aussi, tu sais quoi? Vas-y, je vais boire du vin. Hop. Voilà, vous êtes pu. Oui. D'accord, super. Est-ce que au moins je peux? Ah oui. Bon bah super quoi. Ah, est-ce que je peux m'asseoir de l'autre côté? Attends, on va voir. Ça sort là aussi? Ah ouais, je savais pas du tout, trop bien. Pas mal. On va se lever. Eh bien Henri, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais on dirait que j'ai réussi à faire de vous un guerrier à peu près respectable. Que puis-je faire pour vous? Monseigneur? Pas maintenant, forgeron. On verra demain matin. Bonne chasse à vous. Ok, bon bah écoute, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, hop, c'est quoi? On va voir ce qu'on peut voir. C'est quoi? On va visiter, hein? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a par là? Aucune idée. Lapin! Ah, mais j'ai pas mon arc, merde. D'accord, là il y a une route. Super, attends, fais voir où on est. Oh la vache. Ah merde, mais merde, on est. Mais... Super. Pas loin de là, ouais. Super le bordel, quoi. Attendez jusqu'à l'aube, bah ouais. Bon bah vas-y hein. On va attendre jusqu'à l'aube. Merde, tu vas où? C'est par là. Attends, c'est quoi ça? Trop bien. On ramasse des champignons, on va faire un bouffer. Je sais pas ce qu'on peut bouffer avec ça. Ok. Tiens, lapinou. Il faudrait vraiment que je regarde un arc. Regarde les champignons, ils sont juste là. Oh là là. Tu sais quoi, vas-y, on peut faire. On va, voilà. Placer dans le riz. Quoi? Rien du tout. Oh, super. Ah, il fait quoi lui?
Carrément. Bon bah écoute, on va dedans, dormir, sauvegarde. Allez, c'est parti. Vas-y, on va aller jusqu'ici, c'est parti. Allez, hop. Voir ce qui se passe. Super. Bon, tu sais quoi, on va dormir. Hein. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, jusqu'ici peut-être. C'est quoi, vas-y, on va faire ça. Tac. Attends, on va voir ce qui se passe là. C'est pas mal. Oh les loups. Ok là. Super. Bon bah, on dort. Tic tac tac. Allez. Ouais, c'est jusqu'à 5. Enfin 4 heures. Ouais. Puis on va revoir. Bon. Tous les uns, je dors. Super. Bon. Hop là. Prends. On va voir ce qu'il y a par là. C'est quoi, on va voir mieux le jour, parce que la nuit, là, je t'assure, c'est compliqué. Allez, super, on va dormir. Bon! Ça, il fait jour. Hop, on a vu ça, ouais, c'est ça. Hop. Check. Super, il dort encore le mec. Bon bah écoute, on dormait encore jusqu'à l'aube. Tac. Ah, j'ai vu des billets. Qu'est-ce que tu attends? Ton seigneur a besoin de toi pour la chasse. Oh, vraiment? Ah. Un chasseur aussi renommé a besoin d'aide? Tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur? Dieu m'en garde, votre seigneurie. Tu l'auras voulu, paysan. Retrouvons-nous ici à midi. Celui qui rapporte le plus de lièvres a gagné. Oh, et si tu n'as rien pour tirer, il y a une caisse au campement avec du vieil équipement de chasse. Tu peux le prendre. Ce ne serait pas loyal de battre à plate couture un pauvre diable sans la moindre chance. J'ai peut-être parlé un peu trop vite, monseigneur. Trop tard, Bouzeux. Ah. Tu ne peux plus te défiler. À présent, tourne-toi. Je connais certains coins qui ont fait leur preuve dans ces bois. Et je ne voudrais pas que tu me les voles. Attends. Wesh. C'est parti. Ah bah voilà, MDR. Attends, est-ce que j'ai... Merde, ouais, c'était... Attends, hop. Ok, super. C'est quoi? Hop. Et. Vas-y, on prend. C'est parti. Ah ouais, il est parti par là, le mec. C'est quoi? Allez, on va essayer de trouver. Bon, c'est parti, c'est parti. Juste...
mal ça. C'est quoi ton mort? Ah ouais, carrément. Super. Super. Ah ouais. Bon. Je crois qu'il va y avoir des sangliers par là ou quoi. Super. Bon, je crois que je vais aller de l'autre côté, c'est mieux. Si on va monter ici, on va voir. Ah, mon stamina, mon gros. C'est quoi, je ramasse quand même, c'est quoi? T'es là-bas. Super. C'est quoi cet arc de merde? Il a chié franchement. Bon, premier lapin, c'est parti les mecs. Nanana copain. Super l'arc. Vraiment chier. Ah ouh. Attends, peut-être que les autres flèches sont... Merde. C'est quoi cet arc de merde, sans déconner? Ouais, mais... Un peu plus bas. Là. What the fuck? Ah ouais, mais je suis vraiment à chier moi. Ah c'est bon, je l'ai eu, trop bien, yes. Trop bien, je l'ai eu, trop bien. Le gibier cocon, si tu le mets en devient. Un lapin. Super. Ah mais moi je veux le battre direct mon gros. Sanglier. Un terrain pas mal pour la chasse. Et bim, le bâtard. Il est là, le bâtard. Il est là.
What? Tiens. Super. Oh bah, c'est pas mal ça. Il faut un sanglier les mecs, un sanglier. What the fuck? Oh, trop bien. Une verre. Oh, j'ai cru que c'était un sanglier, ça, là. Trop bien, une branche. Qu'est-ce que c'est que ça? Lieu d'enterrer. Super. Vous avez pas tort, hein, franchement, le... C'est quoi ça? Oh, mais l'arc, franchement, c'est à chier. C'est quoi cet arc de merde? Putain, j'ai trouvé. C'est quoi? C'est des cerfs ou quoi? Oh, trop bien. Super. Oh, ah, il y a une qui est là. Putain, mais non. Merde. Super. Putain, mais c'est quoi cet arc sans déconner? Oh, c'est vu, j'ai tout mis à côté, trop bien. Mais cours pas, attends! Super, sans déconner. Au top. Ah ouais mon gars, là c'est top de chez top. Ouh. Dab. Oh je l'ai eu, mais par contre c'était trop près. What the fuck. Ah je suis surchargé. Ah ouais, vas-y je ramène ça à la maison. Allez, enfin là, on est compris là-bas. C'est parti. Attends, qu'est-ce que j'ai? Oi, nourriture, mon gros. Pff, oh lolo. Quoi? Non. Sérieux, j'ai 92, 49 lapins. What? Je suis pas au top. Je suis au top de ma forme. Hein. Allez, on va rentrer. Ouais, je vais aller par là. Tac, tac. Ah, c'est ici. Ouais. Super. Ah, je peux pas courir, merde. Bon, bah, c'était pas mal, hein. Franchement, moi, j'ai bien aimé. La chasse, c'est bon, ça. Faut vraiment que je m'entraîne à tirer avec l'arc. Par contre, cet arc que j'ai, il a chier. Hein. Arc de villageois en frêne.
Super. Super, super. En tout cas, chez moi, commence à faire froid, vraiment. Je sais pas chez vous. Donc, ouais. Ça commence l'hiver. Attends, est-ce que je suis dans la bande? Ah bah non, il faut que je tourne un petit peu à gauche, voilà, par là. C'était pas mal. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire après? On va rentrer à la maison, enfin au château plutôt. Aucune idée, honnêtement. C'était en bas, c'était où? Merde, je peux pas courir, c'est vrai ça. Bon, on vient de t'arriver. Fais buter. Super. Pas loin. Ah ouais, là par contre, j'ai ramené à manger. Hein. Je sais pas du tout qu'on récupère tout ça, quoi. Super en pote, tu vas te régaler ce que j'ai ramené moi. Et on le met où d'ailleurs par contre là? Tu vas me dire, on va le mettre dans le coffre. Placé dans la marmite. Super, placé à cuire. Ah oui. Quoi, vous êtes séparés de... Oh. Quoi? Attends, comment ça? Merde, j'aurais dû pas faire ça, je crois, si. Le feu. Super. Vas-y, on recommence. Quoi? Ah ouais, bah, j'en ai pas mal, là. Super, honnêtement, super. Alors, ah, cuit. Ah ouais, d'accord. Je peux bouffer. Super. C'est quoi celui-là? Attends, non. Ah. Cuit. C'est bon ça, nom nom. Il ou l'autre? Ah mais attends. Pas mal la forêt honnêtement. Super quoi. Ouais bah c'est qu'on va avancer hein, tout simplement. Vas-y, on va voir ici. Super. En tout cas, il est beau son cheval, hein. Super beau. S'asseoir. Et je vais avancer si je peux. Super. 14 heures peut-être, fait péter, 3 heures. Je patiente là. Waouh, waouh. Attends. Ton encampement. Super.
super. Alors, cette partie de chasse, monseigneur. Je m'en suis bien sorti. Regardez, fais voir. Pas mal. Pas mal du tout, même pour un simple fils de forgeron. Le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense? Quelle insolence. Un cerf qui réclame de l'argent à son seigneur. Or bien, je ne voudrais pas qu'on dise que je suis un radin. Votre cerf vous remercie humblement, monseigneur. Super, pour moi l'argent, yeah. Nous sommes assez amusés pour aujourd'hui. Super. Allez, je te suis mon gros. Tu vas venir voir... Henri, Ancel, partons à la chasse. Super. Bon? Quoi? Vous? Hey, oh! Merde alors! En tout cas, ça fait 46 minutes que je suis en train de rec, donc je crois je vais m'arrêter ici, puis reprendre juste après. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de liker cette belle, jolie vidéo. Puis à la prochaine. Salut, salut!